Like a virgin, touch for the very first time. Like a virgin. Très années 80, très Madonna tout ça, hein, en tout cas la coiffure. Je viens juste de m'apercevoir en fait de l'état de la coiffure au retour caméra, mais j'allais dire je peux me remettre, mais non, je peux même pas le remettre. J'achète des petites barrettes, vous savez, tout le temps, et je les perds tout le temps, tout le temps. Donc j'en ai plus, donc ça se balade un peu partout. C'est pas grave. Bref, bonjour tout le monde, mardi matin. Non, toujours pas. Non, il est 14h passé. Alors, ce matin, il y a eu passage du facteur. Oui, j'ai la possibilité de tester toute la gamme des sérums SVR ABC. Peau irrégulière, défaut cutané. Nous avons ça, ça me branche. Hydratation carrément. Et celle-ci, peau terne, fatiguée, anti-rides, ça peut le faire aussi. Donc c'est sous forme, voilà, comme ça, de pipette. Et j'ai tout reçu, en fait, gratuitement par Ivancy. Voilà comment ça se présente. La pipette. Donc c'est à mettre, bien évidemment, en tout premier, hein, avant sa crème de jour, qu'on peut également mélanger. On peut mélanger les deux ensemble. Moi, en général, je fais première phase sérum et ensuite, je mets ma petite crème de jour ou de nuit. Hein, je l'utilise matin et soir. Enfin, je les utilise, les sérums, matin et soir. Alors, après deux nuits passées dehors, je l'ai rentré parce que, déjà pour me rendre compte, vraiment, pour être objective, ça sent moins, c'est vrai, mais ça sent encore. Donc, je vais quand même... enfin, je vais le garder, ça c'était certain. Je vais pas l'ouvrir, mais je vais le stocker dans une pièce où on va très 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 peu souvent. Voilà. Il y a deux petites cases qui sont ouvertes. Je l'ai mis là parce que du coup, Oscar, il revient pas avant fin décembre. Donc voilà. Et le peu là, le peu que je redescende. Attends, pourquoi ça fait plan large? C'est chelou. Attendez. Voilà, c'est n'importe quoi. Voilà. Oui, donc le peu. Je l'ai sorti le temps de vous parler et de le monter. Ça sent un peu. Si je vous dis que j'ai pas encore mangé, je sais, c'est pas raisonnable. 14h12. Bon. Qu'est-ce que je vais me faire? On se fait des Léonidas, ça peut être ça. C'est pas hyper consistant, mais j'aime bien. Maïs chaud avec. Je vais voir avec quoi je vais l'accompagner. Je pense un peu de fromage. Et demain, on est mercredi, c'est ouverture du McDo avec les nouvelles salades, les nouveaux sandwichs. Nous, on y est. Alors là, j'ai dit Eric, nous y serons. Tu vois, mon Jackie? Eh bien, dans la vie, il y a un moment pour rire et il y a un moment pour être sérieux. Et là, c'est le moment cuisine. Je vais faire ça avec des œufs. C'est vrai que j'en ai mangé deux hier, mais bon, je sais pas si c'est mauvais de prendre trop d'œufs. Parce que, arrête, je sais que c'est encore très controversé. On ne sait pas si c'est si mauvais que ça concernant le cholestérol. Les sportifs, tout ça, ils prennent beaucoup parce que c'est à base de protéines. Bon, je ne suis pas une sportive, on est d'accord. Mais ouais, donc il y a plusieurs, à chaque fois il y a plusieurs théories sur les œufs également. Il y a tellement, tellement de théories sur tout qu'à un moment donné, bah tu sais plus. Il y avait cette fameuse théorie, nous à un moment donné, Eric le matin notamment prend ses tartines de beurre avec sa confiture et bah, il prenait de la margarine, voilà, margarine. Et à un moment donné, on a vu un reportage, même si c'était dans les magazines et tout, que la margarine n'était pas bonne du tout. Donc tu fais quoi? Il a arrêté pour du beurre, parce que le beurre c'est meilleur, mais en petite quantité, au moment donné, tu ne sais plus. C'est chiant. Allez, du beurre. On va manger des graines, je te dis que c'est ça, le futur. C'est les graines des insectes. Ça, c'est le genre de choses qui m'agace. Je m'énerve contre moi. J'achète des très jolies petites patates grenailles, c'est excellent. Elles ont germé, forcément, j'ai oublié de les faire. Je sais pas si à ce stade de germation, je sais pas que ça se dise. Non, non, mais celle-là, elle est complètement, on dirait un arbre. Oh, j'en sais rien, je sais pas, je vais regarder sur internet. Petite assiette comme au resto. Je ne vais pas faire le saut, non, j'en ai pas envie. J'ai mis des petits bouts comme ça de chèvre. Alors, ça peut être écœurant pour certaines personnes, c'est sûr, si t'aimes pas le chèvre. Pas évident. Oui, donc je veux m'acheter un livre. Vous allez me dire, mais t'en as acheté un il n'y a pas longtemps. Effectivement, mais j'aime avoir un livre pour... Attendez. Ici, c'est-à-dire quand je veux me détendre de temps en temps et que j'aime bien bouquiner. Et pour vraiment le moment du coucher dans ma chambre. Et c'est très important, l'ambiance générale du livre. Pour résumer, je vais aller, d'ailleurs, je sais où je vais aller pour faire travailler le petit commerce près de chez moi, à la petite...
petite librairie, d'ailleurs du coin, je crois qu'elle s'appelle comme ça. J'allais partir et regarder, quoi. Il reste 2h32, le temps se rallonge. Non, mais il sera jamais à l'heure, mon blog. Oh, mais ça me saoule. Lapinou semble avoir passé une bonne nuit, hein. Je pense qu'il a trouvé son coin, ça lui va. Quant à lui, eh ben, ce matin, bêtise. Tu le dis ou je le dis? Parce que monsieur, le matin, il faut savoir, quand il a très très faim, à un moment donné, il ne peut plus. Donc, il a commencé à jouer avec mes pieds. Et ça, j'aime pas. C'est-à-dire que si tu bouges d'un centimètre, même pas un millimètre, tes pieds, il croit que tu joues. Donc voilà, il a fallu que je me lève plus tôt que prévu pour ce petit garçon. Oui, donc, concernant les livres, donc là, je suis en train, enfin, je vais commencer. Le livre qui a fait quand même polémique de Yann Moix-Orléans, qui est assez sombre, hein, je pense qu'il doit être assez sombre. Donc, je n'ai pas vraiment envie que ce soit ma lecture du soir. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que je lirai petit à petit celui-ci et plutôt dans le salon. Ah oui, j'ai des endroits, il y a différents endroits pour être en phase avec sa lecture. C'est comme ça. Vous n'allez pas voir d'ici, mais madame, elle a un petit chien et j'ai cru que c'était un cochon. Cochon noir, j'ai dit, bah, c'est quoi ça? C'est mieux que j'ai pris pour un cochon. Oh merde. Désolé, petit chien. Voilà, nous y sommes, c'est bien la librairie du coin qui se trouve dans un coin. Ben oui, ça s'invente pas. Oui, on a quand même pas mal d'ouvrages qu'on trouve pas partout. Mais à l'inverse, pas mal d'ouvrages non plus qu'on n'a pas qu'il faut commander, mais c'est hyper intéressant. Je les avais achetés à mon papa, pas celui-là, mais j'avais acheté pas mal de livres comme ça sur Mike Horn. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il devient pour. J'ai entendu dire qu'il était un petit peu mal là dans son périple qu'il est en train de faire et tout. Je parle pas fort parce qu'il y a du monde. Ça, c'est le petit coin aussi trop mignon. Ça donnerait presque envie d'avoir un autre enfant. Oh là là, mais c'est trop mignon. Ça, c'est beau ça. On m'a toujours fait craquer aussi les petites boîtes comme ça pour mettre les petites dents de lait. Le nœud est là. Hein. Il est en place. Regardez ces calendriers quand même pour des collectionneurs. Il a l'air d'être magnifique. Évidemment, on ne peut pas voir ce que manger, mais. Et ça, hein, des pompiers comme ça. Alors, je me suis trouvé un petit bouquin. Je vous montre rapidos quand on sera à la maison. Et là, je voulais faire un petit tour chez Camailleux, vite fait. Alors, je vous montre rapidement ce que j'ai pris comme bouquin. Ça reste quand même assez sombre, assez dark, parce que c'est un thriller. J'aime bien, moi, l'univers thriller. Donc, j'ai pris celui-là. Mais je trouve que, enfin, pour moi, c'est plus facile de s'échapper d'un thriller au moment de se coucher que d'une bio avec des faits réels, quoi. Que, du coup, on ne sait plus si c'est vraiment tiré de faits réels. Yann Moix. On ne sait pas, en fait, à ce stade du jeu. Non, surtout que je ne l'ai pas lu. Donc, j'ai pris Guillaume Musso. Ouais, c'est sympa, c'est gentil. Ça se lit rapidement, ça ne se prend pas la tête. C'est Central Park, pour vous mettre dans le bain, quand même. C'est très rapide. New York, 8h du matin. Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés l'un à l'autre sur un banc de Central Park. Ils ne se connaissent pas et n'ont aucun souvenir de leur rencontre. Là, ça craint. La veille au soir, Alice faisait la fête avec ses copines sur les Champs-Élysées, tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. Impossible ? Et pourtant, trois petits points. Alors, ça donne envie. On a envie de savoir quand même. Chez Camailleux, je tiens à dire, parce que moi, Camailleux, c'est pas une chaîne de fringues que j'aime plus que ça. Déjà parce que je trouve que tout le monde se fringue de la même façon. Enfin, je retrouve beaucoup de personnes avec du Camailleux sur soi et je trouvais que c'était très classique comme style et que ça partait pas dans des délires, c'est pas très original. Et petit, mais je dois dire que là, j'ai vu des modèles. Je partais pas pour m'acheter des fringues, donc j'ai rien pris. Mais il y a des pièces
très jolies, hein. Des robes, des jolis manteaux, des chemisiers pour le coup. Je vous invite à aller y faire un tour si vous en avez un près de chez vous, ce qui doit être le cas parce que je crois que Camaïeu, ça se retrouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de villes quand même. J'ai oublié de vous dire, il est 16h50 et c'est enfin bon. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un bug, il n'y avait plus de connexion, donc forcément, ça n'avançait pas et enfin bon, ça a merdouillé, donc c'est bon, ça sera en ligne à 18h, quoique vous le savez déjà parce que au moment où vous verrez ça, c'était le vlog d'hier. Il est 5h30, je vais me faire un petit goûter. J'ai plus grand chose. Ah bah tu focuses pas, donc je vais me faire ça avec. J'aurais préféré du lait, mais bon. Je n'en ai plus. Petite pause goûter rapide. Terminé, je vais continuer pour m'avancer sur mon calendrier de l'Avent. Et il y avait autre chose que. Ah oui, je voulais vous montrer un truc. Est-ce que vous connaissez cette marque Clarosa? Parce que à plusieurs reprises, j'ai vu en fait des pompes avec Eric et à chaque fois il me dit ah, j'aime bien, ça tirait bien et tout. Et c'est vrai que moi j'aime bien. Et je voulais voir si le modèle il était avec le Black Friday moins cher. Et surtout comment elles étaient, parce que c'est quand même le genre de pompe normalement qu'il vaut mieux essayer, mais c'est des trucs en ligne donc il n'y a pas de boutique. Alors nous y voilà. Ce sont celles-ci avec la semelle caoutchouc rouge. Ce sont en fait des pousse-chaussettes et c'est ça qui me. C'est pas qui me pose problème, mais voilà. J'ai peur que ça fasse un peu lourd au niveau de ça, puis ça très fin et. Voilà, bon, bref, en gros, j'aurais préféré les essayer quand même. Mais j'adore le modèle. Ça peut être très cool. 50. Ah ouais, d'accord. 8%, 50,99. J'en sais rien. Je sais pas si je les prends, mais Eric m'a dit vas-y, prends-les. Alors, j'ai bien avancé au niveau du. Oups, calendrier de l'Avent. Il doit y avoir déjà 10 cadeaux, à peu près. Et bah, il me reste plus qu'à tout ranger. Après, je vais descendre pour manger. Eric est rentré. Fin de journée. Ça commence à sentir le. Comment on dit? En fait, ils sont sur YouTube là parce que depuis hier, quand on met une vidéo, ça met zéro vue, mais pas que moi, tout le monde dès que tu mets une vidéo. Et je pense que bah, ça vient très probablement de tout ce qu'ils sont en train de mettre en place par rapport à la loi COPPA et compagnie. Ils font peut-être des tests. Enfin, je pense. Hein. Je ne travaille pas chez YouTube, mais j'imagine que c'est très certainement ça. Sur ce, eh ben, je vais faire à manger. Alors c'est vrai, les jours se suivent et se ressemblent un peu quand même. Hein. Soirée pasta. Je suis là bébé, hein. C'est plus la peine en fait d'attendre. Bébé, il me fait mal au cœur. Maman, elle est partie. Allez, viens. Avouez quand même que quand on aime les pâtes, ça donne plutôt envie. Oh. Super, il y a de l'orage. Oh, en novembre. C'est quoi ce bordel? Il vient d'arriver. Parce que comme il y a de l'orage, il a eu peur. C'est fou ça, hein? Allez, viens. Viens t'installer. J'avais complètement oublié de vous reprendre. Je suis dans mon lit et puis bah, je m'apprête à lire mon nouveau livre. Voilà, je vous fais un gros bisou. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!